Le lac de barrage de Yessa est un lac artificiel situé dans les Pyrénées, formé par la retenue de la rivière Aragon dans la ville navarraise de Yessa. Il est connu sous le surnom de mer des Pyrénées et se trouve à l'entrée de cette chaîne. Il est la plus grande surface navigable de Navarre jusqu'à la zone de la Ribera au sud de la Navarre et arrose les Berdindas Reals et la Comarque sargossienne de Cinco Villa. Ces eaux ont pour but aussi l'approvisionnement et la production d'électricité. Le lac s'étend sur 10 km avec des largeurs qui varient entre 1 et 2,5 km. Il occupe une surface de 1900 hectares. Il a été inauguré en 1960 et a provoqué l'abandon de plusieurs villages, Ruesta, Tiermas et Esco. Ont été inondés 2408 hectares de terres de culture, dont 1000 étaient de très bonne qualité agricole. Jaca est connue comme la perle des Pyrénées. C'est une ville européenne et cosmopolite, ville étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Une cathédrale dédiée à Saint-Pierre. Elle est étroitement liée au chemin de Saint-Jacques et à l'architecture romane qui pénétrait en Aragon par le Somport et allait jusqu'à Jaca. Ses origines remontent au XIe siècle sous le règne de Sancho Ramirez. Elle a été considérée comme l'un des plus importants monuments de l'art roman espagnol, étroitement lié au chemin de Saint-Jacques. Son plan est en basilique à trois absides alignées sur les trois nefs. Les nouvelles chapelles, les stalles du coro et la réparation de la toiture datent du XVe siècle. L'aspect roman du temple disparaît à l'apogée de la Renaissance pendant les réformes qui eurent lieu au XVIe et XVIIe siècle. Thank you.
Le pont de San Miguel, bien que l'on n'ait pas la date exacte de sa construction, ses caractéristiques architectoniques le situent à l'époque médiévale du XVe siècle. Le pont a représenté toute une œuvre d'ingénierie à son époque et durant plusieurs siècles. Il mesure 96 mètres et présente une élévation asymétrique. Le pont possède une arche centrale pointue de 17 mètres de hauteur et un profil à double versant caractéristique des ponts médiévaux. Jaca a toujours été l'un des plus grands, sinon le plus grand bastion pyrénéen espagnol. Cette petite ville a été plongée dans la bataille en raison de sa position stratégique par rapport à des postes frontières aussi importants que son port ou portalet dans la vallée du Tena. C'est pour cette raison qu'elle possède l'une des forteresses les plus impressionnantes d'Espagne. Originaire du XVIe siècle, la citadelle de Jaca ou château de San Pedro est presque parfaitement conservée, arborant le style italien qui l'a marqué dès le début. La visite nous permet de voir les principaux éléments de la citadelle de Jaca, de l'ascension des bastions à la compréhension du fonctionnement des guérites. La poudrière, les zones de ventilation, l'église ou le terrain de parade sont d'autres lieux très remarquables. Dans le dernier, il y a une statue de Philippe II, promoteur du château de San Pedro, un fait rare en Aragon. Le musée des miniatures militaires de la citadelle de Jaca. Au début, il y a plus de 15 ans, c'était un coup de pouce spectaculaire et un tournant définitif dans la présence que ce château avait dans le panorama culturel de la ville. Depuis lors, le musée n'a cessé de croître, tant en connaissance et en prestige qu'en ses collections, fruits de donations et de cessions temporaires. Des milliers de figurines de plomb comme attraction principale, qui nous enseigne à tous la terrible histoire des guerres d'aujourd'hui, plus que jamais, de la plus haute actualité, à partir de laquelle nous devons apprendre à trouver le chemin d'une paix juste et durable.